Le lycée moderne 2 de Bondoukou souffre de plusieurs maux, notamment le manque d'infrastructures pour les professeurs. La salle des profs qui était prévue pour près de 80 professeurs, aujourd'hui nous sommes à près de 200 professeurs pour les deux lycées et donc c'est devenu exigu. À cela s'ajoute le problème d'espace pour la pratique du sport et l'insuffisance de matériel didactique. Nous sommes deux établissements à occuper l'espace que vous voyez derrière nous. Et naturellement, ça pose des problèmes parce que ces installations que vous voyez ont été créées depuis 1966, quand notre établissement était encore collège moderne. Et depuis cette époque jusqu'à nos jours, les installations n'ont pas évolué. Pourtant, les effectifs sont allés à un rythme beaucoup plus accéléré. Que de difficultés dans cet établissement, à preuve, l'eau source de vie n'existe pas. Une situation qui cause beaucoup de désagréments aux élèves. Nous avons un sérieux problème au niveau des toilettes. Les toilettes sont mal entretenues par manque d'eau. Et même quand nous avons soif, nous sortons en traversant le goudron pour aller acheter de l'eau. Vraiment, il n'y a pas d'eau au lycée. Professeurs et élèves du lycée moderne 2 de Bondoukou ont le regard tourné vers les autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée à toutes leurs préoccupations.